Winner jusqu'à Abou Kali. Ah bah super. Malgré une bonne adaptation de. Non, c'était Nico qui avait. Ah, je sais plus. J'ai une si mauvaise mémoire que ça. C'est BO5 là quand même. Là c'est BO5, oui. Strange Non. BO3 ou BO5 C'est BO1. FT1. On n'a pas lu tout le truc du coup, c'est dommage. On va rester sur un BO3 tout le temps. Voilà, c'est malheureusement, malheureusement BO3. Exactement. Pour une loser finale de ce niveau-là. Mmh. Et le gagnant ira rejoindre Night or You en grande finale. Exactement. Et oui, qui attend lui pour l'instant. Il free play. Il s'occupe parce que ça date quand même un peu. Mais bon. Voilà, bon, on se retrouve quand même globalement assez even au niveau des pourcentages et tout. Les phases fonctionnent et tout. C'est toujours. Ouh, Kongu. Trouver ce smash comme ça très très bien placé parce que quand même faut pas oublier que Mistra ça peut tuer. Ouh, il arrivera à trouver le deuxième mais très très bien DI de la part de Nico. Vraiment c'était excellent. Je pense que s'il faisait un input de trop c'était finito. Là, hop, il punit pas. Oh très très bien attendu la spot dodge. Exactement, on punir avec un donner. Et on cherche déjà un peu à. Attention. Les joueurs se rendent plus ou moins les coups là, c'est assez even pour le coup. Ouais, c'est une bonne première stock. Oui, le foresight qui viendra finir la stock, c'est dégueulasse. C'est salaud ce truc là, vraiment. C'est immonde de réussir avec ça, mais bon. Ça demande du courage d'accepter de jouer contre Mitra, mais. Mais bon. C'est ce personnage quoi. Pour l'instant, on va chercher à qui vieille qui a peut-être pas suffi à. Ouais, après c'est Mitra quand même, c'est les jeunes. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouh, merdeux qui aura pas réussi à connecter. On va voir comment il s'en sort du coup, Nico, sur cette deuxième stock. Bah ouais, clairement. Là, ouais, au final, regarde, hop, 47,5, 47,6. Ouais, c'est even. C'est plutôt serré. Ça se rend phase pour phase, toujours un peu comme ça. Exactement. Bah, ces deux personnages avec un excellent combo game et surtout à bas pourcent et tout, bien monté les. Oula, Nico qui arrive à revenir, mais c'était assez risqué. Il nous a fait plein. Hop, regarde la phase d'avantage, on va voir comment. Voilà, ça c'est les phases d'avantage de Nico, toujours il attend avec Palu. Il est extrêmement patient. Il saute pas, il commit pas. Voilà, le ledge. Oh, j'allais dire le frame trap, mais finalement, non, Nico n'a pas réussi à frame trap. Ouais, exactement, là ça commence à être un peu compliqué. Là, j'ai l'impression, s'il est temps qu'il n'arrive pas à trouver de kill, un coup qui vient bien chercher et tout. Il cherche toujours la donkey. Très très bien trouvé. Très très bien joué, mais ça tue pas. Je pensais qu'il était mort. Mais non, on est sur SBF, hein, genre c'est pas ouf le plafond. C'est pas ouf du tout. Bah, il vivait très bien, Nico. Ouais, voilà, il est mort. Faut pas déconner. Kill au MB, toujours, encore une fois. Mais c'est pas terminé. Nico peut toujours. C'est clairement pas terminé. Clairement pas. Il nous a déjà montré plusieurs fois que clairement il pouvait revenir de notre. Nico, c'est un comebacker. Oh, pas de cette manière là. Pas de cette manière là. Aïe aïe aïe. Ça remet les pendules à zéro. Exactement. On est even. Les petites phases et tout, toujours, bah, c'est un peu la classique à 1%. Mais clairement, c'est encore celui qui trouvera la meilleure phase et qui arrivera à mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bonne phase. Ouais, c'est ça, ça monte bien les pourcentages et tout. Attention, on va pas se prendre la même chose, voilà. Nico. Voilà, tu vois, ça rend les coups en fait, hein, au final. Ouais, clairement. Ils ont une phase d'avantage. Voilà, par contre, Nico qui overextend un peu, ouais, c'est pas très bon. C'est rare de le voir vraiment faire ça, mais pourquoi pas des fois, s'il veut bien cheese, tranquille. Attention, voilà, ouh, le feu qui passera pas. Ça, t'as un beau follow-up. Un bon ledge trap, hein, toujours de la part de Nico, toujours carré sur son ledge trap avec Palutena. C'est ça, exactement, petite punition avec une dash attack. On cherche déjà, ça va pas tuer. La DI de fou de la part de Nico, il est pas mort, attention c'est pas terminé, comment ça peut toujours, tout peut se jouer. Il était tellement dans le coin. Oh voilà, c'est mort. Oh, et là, attention. Est-ce qu'on va chercher à attention. Et là, oh. Oh, oh, attention, c'est pas terminé, let's go. Oh là là, oh, si close, c'est cette fin de game. C'est ça qu'on aime comme fin, et on rappelle c'est BO3, ça va être très compliqué là. C'était chaud. Oh mon dieu, oh vraiment, heureusement bonne tech et tout pour bien. Les deux ont hyper bien joué, mais malheureusement pour Aku, Nico a réussi à trouver une back throw qui a tué assez tôt. Ouais c'est ça. Et c'était chaud. Pour l'aide et bam, back throw. C'est vraiment passé à très aïe aïe aïe. Et on repart sur SBF. Ouais, SBF, pas de counter pick. Il avait quand même été pas mal au niveau des blazones et tout. Il est quand même extrêmement bien géré là-dessus, alors que c'est un peu une crainte. Ouais, carrément. Ouh, et regarde le bon confirme. Déjà 43% en moins de 10 secondes, même 66. C'est pas fini. Très bonne phase d'avantage. Voilà. On rentabilise ces wins de neutral. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. Et le 0 to death. Oh là.
le choke de Nico. Oh, trop dommage. Qui après 2 ans sur le jeu ne s'est toujours pas rico avec Palu. C'est compliqué. Salaud. Non mais oui, c'est terrible. De... En plus, il nous a déjà fait ça tout à l'heure, c'est terrible de faire ça. Et bon, Aku qui a un énorme avantage et tout, qui en plus en profite pour bien le creuser. Parce que là, 50%, s'il trouve pas de plus de trucs encore, encore un petit peu trop, bam. Il joue très très bien là à coup, hein. Vraiment il est carré dans son jeu, il a un bon neutral. Bon ok, pile quand je dis ça, il arrive quand en je dis ça, il fait un gros donner. Gros donner qui ira dans le contre, même. Mais clairement, vraiment, Aku il se met. Il a une très bonne avance. Ouais. Il a raison en fait, il faut jouer carré dans ces situations-là. Parce qu'en plus, c'est vraiment ce que demande le personnage. C'est vraiment un frame trap, c'est vraiment un bon positionnement. Ouais, le feu, bon. Le feu qui tue. Le feu qui tue. Le feu qui tue, même Pyra qui est assez lourde. Ouais, ouais, mine de rien. Tomahawk pas trouvé, dommage. Nico qui essaie de comeback hein, quand même parce qu'il s'était quand même pris un petit 0 to death et là il arrive à even stock mais bon c'est juste. Ouais voilà bon d'accord. Bah, du coup, et là ce que et là il y a quand même toujours une stock d'avance pour Aku hein, qui aura réussi à mater son adversaire grâce au 0 to death du début. Oh, très très bien joué. Très sale, très sale. Mentalement ça doit être compliqué pour Nico je pense. Ouais ouais c'est sûr parce que là vraiment faut avoir une approche carrée, faut tuer, faut le cheat en fait parce que là vraiment regarde il confirme qu'il arrive à trouver. Oh là là et finir avec un petit up smash et tout. Là, ça commence à être un peu. C'est un peu compliqué là, c'est un peu compliqué. En plus les edge traps globalement de Pyramidra, c'est pas simple de passer au travers. Ah il arrive à s'en sortir quand même Nico, il rentabilise bien ses phases d'avantage et au final. Au final, il arrive à. Ouais, c'est ça. On peut peut-être essayer de prendre la stock et on va voir après comment ça se déroule. Attention, ok, bonne attente, c'est pas grave. Il reste safe, c'est bien. On joue patient et tout, c'est ça. Ah, est-ce que ça tue? Non, je pense pas que ça tue, non. Faut pas déconner. Il non, pas c'est. Relève, il est pas bon au ledge et tout. Ouh, et ça, très bien trouvé, ça gimpe le saut, la honte pour Aku. Ah, la honte. La honte, il a sauté. Et le gros F-Smash. Voilà. En landing. Qui va punir, qui du coup va permettre à Aku de venir égaliser au niveau du set. Clairement, ce 0 to death au début de game, il a payé. Ça fait mal, hein. Ça fait mal aussi, bien, aussi bien au niveau de la game qu'au niveau du mental. Ouais, exactement. Ça va être compliqué à remonter tout ça. Ouais, c'est sûr que là, si. Et au niveau du mental, on voit quand même Nico qui s'adapte extrêmement bien globalement. Ouais, puis Nico, on connaît, il est vraiment capable de faire une remontée comme ça. Clairement. Il n'a aucun problème pour reset mental. Ouais, c'est ça. Ça peut clairement le faire. Il s'adapte hyper bien globalement à son adversaire, aux choses qu'il a fait. Il comprend bien le jeu. Carrément. Et ça peut jouer là-dessus. Mais bon, en attendant, il se prend quand même une petite phase et tout. La grande force d'Aku, c'est quand même ses phases d'avantage là. On voit à quel point il y a une différence. La pression de mid de Pyramidra, c'est incroyable ce personnage. Quoi. Et Aku l'utilise très très bien. Ouais, oui, c'est pour ça qu'il est fort. Oui, oui, c'est enfin, une des raisons pour lesquelles il est fort. Oui, oui. Voilà, il arrive à approcher. Oui, c'est ça. Je joue au chat à la souris. Ouh, ah, ça touche pas, dommage. Ouais, à quelques pixels. On se prend quand même des bons enchaînements, des bons pourcentages et tout. Il faut pas oublier que derrière on a Nico. C'est quand même Nico qui a l'avantage. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, justement. Et là, apparemment, il peut. Il y a des petits trucs et tout. Petite dash attack et tout. On monte toujours les pourcentages. Mais ouais, ça m'a l'air assez. Si Aku n'arrive pas à retrouver cette pression qu'il infligeait, qu'il essaye. Qu'est-ce que tu arrives, j'en perds mes mots. Mais non, mais. Oh non Nico qui ne sait Nico pas. Nico qui termine sa stock comme ça, ok, voilà. Bon, ça va. C'est even, voilà. Ça va. Ça aurait pu très mal se terminer, mais. Il y avait la belle anticipation là, du saut et tout, mais c'est pas ça, pas beaucoup de choses près. Toujours even, non? Ouais, c'est ça. Là, ils se rendent pour coup. Clairement, ce sera pas. C'est un peu dommage que ce soit en BO3, mais bon, c'est des aléas. Mais 22h03 déjà, ça commence à être très tard. On doit finir à quelle heure? 22h15. Ah! Il n'y aura pas de grande finale. Ce sera une grande finale en BO1. En online. Depuis chez eux, les deux joueurs, ils sont vraiment des pour l'instant, quand même un bon lead de pourcentage. Ouh, mais après, voilà, bonne tech chase. Non, c'est le mauvais côté. Ça, c'est pas ouf. Ouais. Mais clairement, ouais, Nico qui inflige des bons. Ouh, très très bonne react. On va voir comment il arrive à rentabiliser ça. Attention. Exactement. Et là, nul. Pas grave, c'est pas grave. Mais là, ça commence à être un peu. Ok, le gros F-Smash. Petit FB et tout. On cherche, il veut tuer là. Il arrive. Ah, là, il peut clairement tuer. Hein. Il faut qu'il arrive à juste trouver son kill move. Un aéreo. Ah. Le feu, hein, toujours.
Et voilà, il arrive à trouver le. Petit bacard. Voilà, magnifique. Et là, il va falloir gratter avec Mitra. Oui, là, c'est sûr. Là, il faut gratter. Là, ouais. Là, faut mettre des. Ok, d'accord. C'est bon, surtout. Ah, j'ai cru qu'il allait encore mourir, Nico. Ça a été terrible. Ça a été vraiment terrible. J'en pouvais plus, quoi. 3 SD en 7. En plus, 1-1 pour arriver en grande finale, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas maintenant. Là, on veut pas une fin comme ça. On veut une belle fin. Petit splash et tout, magnifique. Nico qui arrive pas à trouver son kill move. Pourcentage d'attaque. Et là, ouais, ça commence à faire très peur. Attention, voilà, c'est ça. On peut pas faire une dash attack sur la plateforme pour se faire punir directement avec un fer. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué pour Nico parce qu'il y a 70% d'écart. Mais, ouais. Ah non, malheureusement, il n'arrivera pas à trouver le confirme. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, voilà, c'est pourcentage. 117%. Il veut tuer. Ça fait mal. Il a raison, il veut tuer. Ça fait mal, mais ça peut toujours se faire. On va voir comment ça se déroule. Pour l'instant, c'est pas très très bien parti pour Nico. On le rappelle, celui qui gagne ce set passe en grande finale. Et c'est un up day out of shield qui viendra clore la stock. Ça va clairement tuer. Voilà, et du coup, ça permet du coup à un coup d'aller en grande finale. Bien joué à coup. Ouais, bien joué à coup. Clairement, c'était extrêmement carré sur ces deux derniers games.